Chaque GAL a établi une stratégie spécifique aux besoins de son territoire. Il convient donc, dès qu'un porteur de projet a une idée, de prendre contact avec l'animateur du GAL dont il dépend, et ce, le plus en amont possible. Cet animateur a un rôle d'accompagnateur auprès du porteur de projet, un rôle d'écoute, d'orientation, d'aide à la recherche de financement public et assure le suivi dans le circuit de gestion du dossier. Une fois que l'animateur s'est assuré de l'éligibilité du projet à sa stratégie, qu'il a vérifié les typologies d'investissement et la nature des dépenses, il peut engager le dossier dans le circuit de gestion. Il est important de souligner que Leader est le dernier financeur à s'engager et à payer, car il est dépendant des autres financeurs publics. Afin d'assurer l'équité entre les porteurs de projet, la Commission européenne impose la mise en place d'une grille de sélection qui se doit d'être transparente et objective. Cette évaluation est obligatoire, mais chaque GAL est libre du choix de ses critères et de leur pondération. Ces éléments doivent être portés à connaissance des porteurs de projet en amont. Une fois le projet sélectionné, le GAL et le porteur de projet procèdent au montage du dossier administratif il est composé des formulaires et annexes réglementaires des justificatifs de dépenses sur devis des justificatifs de coûts raisonnables ou procédures de commande publique ainsi que des pièces administratives diverses liées au statut du porteur de projet. à l'issue de cette instruction est donné un avis réglementaire. un avis réglementaire favorable permet de présenter le dossier en comité de programmation qui, en tant qu'instance décisionnaire, doit voter l'attribution de la subvention et son montant. Suite à cette décision, le GAL ou l'autorité de gestion rédige la décision juridique ou convention attributive. Celle-ci reprend les droits et obligations du financeur et du porteur de projet. Elle rappelle notamment les dates de début et fin d'exécution de l'opération, ainsi que la date limite de dépôt de la demande de paiement. Le plan de financement du projet et le montant de la subvention allouée y figurent également, ainsi que les obligations publicitaires réglementaires vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Une fois que le porteur de projet a terminé son projet et acquitté les factures, nous pouvons procéder à la demande de paiement. Toutefois, des demandes d'acompte sont possibles, mais toujours sur la base des premières factures acquittées. Le GAL accompagne le porteur de projet dans le montage du dossier de demande de paiement. Il est composé des formulaires et annexes réglementaires, des justificatifs de dépenses sur facture, des relevés de compte ou relevés de mandat, des pièces liées à la commande publique si elles n'ont pas pu être toutes transmises dès la demande d'aide, ainsi que des pièces administratives diverses liées au statut du porteur de projet. Le GAL et ou l'autorité de gestion instruisent le dossier de demande de paiement. Une fois que celui-ci est réputé complet, le dossier est transmis à l'ASP, Agence de services et paiements, pour versement de la subvention. Tout au long de la vie du dossier, le GAL, l'autorité de gestion et l'ASP saisissent les données concernant le projet sur le logiciel Osiris. Celui-ci génère notamment des feuilles de calcul permettant de vérifier le montant des subventions et là où les subventions publiques auxquelles leader se rattache. Il est important de savoir que les dossiers peuvent faire l'objet de contrôles aléatoires avant ou après paiement, et ce, jusqu'à 10 ans après leur réalisation. Ces contrôles peuvent être faits à différents niveaux, au niveau du service instructeur, au niveau du GAL, au niveau du porteur de projet. Les contrôles de l'ASP ou contrôleur européen analysent le dossier sur la base d'une grille de contrôle très stricte. Plusieurs conclusions sont possibles lors de ces contrôles. Aucune anomalie, anomalie sans incidence financière, anomalie avec incidence financière entraînant une déchéance partielle ou totale de la subvention.